Salut Simon, bienvenue. Ouais, je t'appelle. Pourquoi t'as mis une tête aussi rapprochée comme ça? Lui, ça me fait penser à lui. Attends, là, il a quel âge? Je sais pas. Me fait penser à lui. Ouais, best of 4, un moment. J'ai un pote qui. Allez, boss. En fait. Vas-y, tu sais pas expliquer. C'est parce que je rigole en même temps, c'est l'émotion, tu vois, c'est. Vas-y, explique, s'il te plaît. A few moments later. Et du coup, Hey, t'expliques lentement, en gros, il y a un mec, c'est quoi? Je vais Ferme. vous sortir le clip. Du coup, tu t'appelles comment vu que Emmanuel, c'est pas toi? Attends, dis-moi. Attends, ne me dis pas, ta daronne, elle s'appelle Emmanuel Paruchon. Il est con, quoi. Comment ça, ta daronne, elle s'appelle Emmanuel Paruchon? Wesh. Oh, comment tu ris? Salut, ta daronne. Mais attends, ta daronne, elle s'appelle Emmanuel Paruchon. BXE. Putain, je sais pas. BXSE. Mesquine, il a manqué de respect. Ah, la daronne d'un mec, le pauvre. Le Attends, faut pauvre, que je il a rien regarde. demandé. Ma mère, elle est venue, elle m'a dit, enlève ton pantalon, je suis censé faire quoi? Ah Quoi? ouais, t'as des viewers. Voilà. Eh, t'as des viewers fous. T'en es, elle dit que son daron est mort en 2020. Merde. Eh, qui dit ça dans un sur un stream? Ah putain. T'as des viewers fous. Mais bien sûr, j'ai des viewers fous. Est-ce que je la gifle? En vrai, oui. Mais comment ça, enlève ton pantalon? C'est pas des choses qui se disent à son enfant, ça. Non, mais c'est ma belle-mère. Ah bah ça va, c'est ta Vas-y, belle-mère, c'est bon. tu J'ai un peux psy pas car j'ai lui. besoin d'un psy. Car j'ai des problèmes avec des potes. Vas-y, raconte. C'est normal. Non, c'est pas normal. De se prendre Quoi? des olives à 8h du mat dans le fiac, c'est pas normal. J'ai vraiment pas compris là. Non, c'est le viewer, il a dit il a des problèmes avec ses potes. Je lui ai dit, vas-y, raconte. Et il a dit, il se prend des olives à 8h du mat par ses potes. Vraiment, les olives, c'est un délire, je C'est comprends pas pas. bon. Pas bon les olives. Attends, parce que Belek a une expression avec olive que je connais pas. Vous parlez bien de la graille, olive la graille. Non, on parle de des 1000 ans de souffrance. Ah, moi je croyais que vous parliez des olives la graille. Je me disais somme d'un que je crois des. Attends. T'imaginais quelqu'un qui envoie des. En mode, il se reçoit des Genre, olives, non, tu sais, on lui genre, balance en des mode chaud. olives. Tu sais, genre, il ouvre le pantalon de Gmec et il met dedans, genre, t'as capté. Des olives, toi aussi. Ah, t'as une grande Bizarre, imagination, hein. Par contre, ma ouais. belle-mère, elle est grave chelou. Ah, je vois ça. Elle a Non, mais 24 ans, grave. frère. 24 ans? Comment ton daron, il s'est marié avec une meuf de 24 ans? On dirait que dans un an, je la dépasse, Non, cette tu sais, naine. il y a plusieurs mecs, il y a plusieurs teams. Tu sais comment ils se sont rencontrés, non? T'as vraiment Une une belle-mère naine de 24 ans qui est riche? What? Et que tu vas dépasser dans un an? Attends, dans un an, la taille d'un an moyen, c'est genre moins d'un mètre cinquante. Ça veut dire qu'il fait pas 1m40. Pas naine, il dit naine. Regarde, pour moi c'est petit, mais elle fait 1m62. Ah Mais ouais! c'est pas non ça! Mais Mais c'est oui, des c'est pas fous quoi! non! C'est des cons quoi! C'est une taille normale ça! Ils se sont rencontrés sur Tinder. Ah ouais, ta belle-mère elle T'es était sur trop mal Tinder. placé! Wesh! Vous voyez, j'arrive, j'entends ça! Viens, viens, on est à l'vitre! Sa belle-mère. Vas-y. De toute façon, tu verras dans le best-of. Prends-moi. Attends, sa tante elle est vraiment sur Tinder? Non, sa belle-mère. Elle a rencontré son père sur Tinder. Sur Tinder. Quoi? En plus de m'être pris le truc. Mais quoi? Mais ils sont trois! I am 1v3, I can't, you see. Oh, because it's, you know, I'm French. Ah, thank you. Do you love men? Do I like men, huh? Do I love them? Maybe I do, huh? Ah, you're teasing me! You're teasing me, you naughty naughty! Excuse-moi, je m'étais éclipsé pendant un moment. T'inquiète, t'inquiète. Ça va, les mecs avec toi, ils kiffent les hommes sur Apex. Ah, je sais pas, Ah, je vais ouais, hey, tu vois? Oh, dès que j'arrive, Délaisse cette innovation et fais la prière avec motivation. Ça va, Victor Rafox? Ouais, ça va, hein. Viens demain, en physique chimie, on travaille sérieusement. Mais va te faire foutre, je voulais travailler, je pouvais pas à cause de vous. Pardon, Einstein. En mode, j'ai corrigé, j'ai dit Newton. Et j'ai pensé à cette vidéo. Bonjour, c'est le fils de Newton. C'est le fils de Newton. Le fils de Newton? Pardon, c'est le père de Newton. Ce con.
au lieu de dire c'est le père de Newton. Tu connais Jojo ou pas? Ouais, je sais, c'est le mec jaune. Il s'appelle... comment il s'appelle? Quelqu'un a besoin d'aide pour un exercice. Les profs qui se mettent sur la table, au lieu de se mettre normal, ils font quoi? Ils se penchent, ils penchent, frère. Et toi, quand t'es derrière, t'as un gros plan comme ça sur leur cul, tu vois? Oui, j'ai un gros plan sur leur cul parce qu'ils aiment trop se pencher de ouf. Pendant que c'était arrivé, et ben ils l'ont pris en photo et ils ont mis sur Snap. Et actuellement, elle est en train de tourner sur Snap. En vrai, c'est sale, mais moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Imagine, t'es une prof là, tu vois, t'es sur Snap, on voit tes fesses. J'avoue, en vrai, ça se fait pas. Hein. Mais c'est drôle quand même. Non, que j'ai une prof, je crois qu'elle me suit. Attends. Genre, c'est pas. Non, pas elle me kiffe, mais genre, elle me kiffe. Genre, elle m'aime trop, mais pas. Genre, je suis un bon élève, tu vois. Ouais. C'est pas. Comment dire? Mais il est con! Attends, vite fait. Yes, je l'ai collé. Oh, si je tape 1v3. Ça sera en clip TikTok. 1v3. Donc, raconte EZ. Pas trop ta vie pour le clip. Break. Non, ça bug, ça bug! Ça a bugué! Non! 1v3, let's go. Je vous l'ai dit ou pas? Ça part en clip. Grenade. Bref, allez, on y va. Bah oui. Ça a pas commencé. Respire. Ça a pas commencé, j'en rigole déjà. Attends. Attends. Mais les casseroles. Ça commence déjà. Eh, j'ai droit à prendre un 4-0. Hein. Attends, ça a pas commencé. Wesh, il va t'accaper, wesh. Ça a pas commencé. Attends, je rigole déjà. De flûte, j'espère que vous aimez jouer du pipeau. Moi, je vais jouer de l'accordéon. Sarpute mère. De le bain d'oseille, je vais pas t'en prendre. Alors, comme ça, chez Michel, y a pas de l'oseille. Et qu'est-ce que je vais faire de cette oseille? Ouais. Mais tu descends en calbar, sale fils de pute! Tu descends en calbar! J'ai trop de rire. Galle qui va se. Tu vas te marier, toi? Le bruit m'a trop fait rire. Quand ça glissait, ça fait psss. Tu vas te marier toi. Non, c'est trop. Oui, t'es dans de l'excès là. Tu vas te marier. Non, mais j'arrive pas. Je prends de l'eau, 2 secondes, j'arrive. Je bois de l'eau pendant un petit peu. Pendant un petit peu. Attends, faut que je me remette un parce que... Ça commence mal. Juste ça, j'ai rigolé. Attends, je vais rigoler dans la bouteille. Non, c'est mieux, je bois pas en fait. Tu veux quoi? Moi je suis un ninja. Dans la cité, on m'appelle le bâton. Parce que. C'est un bâton. Le bâton! Vas-y. Là t'as bandé avec mon toit. Putain, une galette. Attaque fulgurante. Oh. Attaque fulgurante. T'es idiote. Attaque fulgurante. Regarde mon fifet top, tu l'as. Putain, mais. Le choix de Zulder, tu l'as pu. Putain, mais. Pourquoi il est en quel but? Le sol, il est dégueulasse. Vous avez fait pipi par terre ou quoi? Mais tu fais quoi là? Ça, la quand je voyais rien du tout. C'est drôle ça, fils de putain. Attends, hop. J'ai failli annuler la course, monsieur Tala. Comment ouais. En fait, quand on fait une course, oh sur les là. Je croyais que j'avais une tête de psychopathe, c'est pour ça que j'ai hésité. Tu vois, quand il faut pas rigoler, moi je rigole hein trop. Oui. Oh non. faut pas que je rigole. J'ai deux fois plus de rire. J'allais faire ça. J'ai deux fois plus de rire que toi. Comment on fait?
à le rire facile. Mais vraiment, mais moi, je suis dans tout notre entourage, je suis celui qui rigole le plus facilement. Vraiment. Donc, c'est sûr que j'allais perdre. Moi, je rigole trop pour de la merde. Ce qui reste bien gravé dans ma tête, c'est « Tu t'es empâté, ma fille ». C'est une gamine, je crois. J'étais plus gros. Tu t'es empâté, ma fille. Personne ne m'aimait, tu vois. J'imagine. Ouais. J'imagine du pâté. Toi aussi. Ouais, j'imagine du pâté, frère. Tu marques ton tomate. Putain, comment ça, ça. Tu t'es empâté. Tu t'es empâté, ah, frère. Parce que ça, il y a aucun lien entre leur comportement. Oui, parce que on peut voir que dans la vie réelle et la vie putaculaire, on peut voir que la malédiction du noir est vraiment à charger. Si tu...